Cette scène d'un final à la Scala de Milan a tous les aspects d'une histoire d'amour vécue en direct par le public le 7 décembre 1960. La reine de l'opéra, Maria Callas, tient le rôle principal dans Polinto de Gaetano Donizetti. Les chanteurs de l'œuvre entourent la Callas qui, d'un regard, d'une main, tournée vers un homme, un seul, dévoile les secrets de son cœur. Cet acte-là n'est pas écrit. Il ajoute une émotion particulière que les spectateurs n'oublieront pas, comme le photographe Philippe Letellier. 10 minutes d'applaudissements et 10 autres encore devant cette main et ce regard que Maria Callas réserve à Aristote Onassis, le milliardaire grec, debout, ébloui, applaudissant lui aussi et conquis. Onassis est dans la loge de l'avant-scène à gauche et à l'opposé de l'endroit où se tient la Callas. Cette distance les rapproche pourtant, sans un mot prononcé, seuls les gestes en disent long ce soir-là, les coups de foudre de l'amour restent de joyeux mystères.